Ok, donc c'est ça, hein. Tu peux aller. Va, à n'importe quel moment, tu vas, tu tapes, tu rentres, tu fais ton débit. Tout ce que tu veux faire. Ok. Tu as compris? Merci beaucoup. Il n'y a pas quelqu'un qui va te poser des questions. Tu as compris? Ça va? Vous êtes sûr que ça va? Monsieur. Mais si ça allait, vous n'allez pas boire. La dia est où? Ça va? Je peux vous commander de bonnes boissons, vous allez boire? Monsieur, vous avez quel problème? Oh, oh, oh. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Hein? Ah. Bolombo. Oui, chérie. Si j'ai demandé à te voir, c'est à cause de ton cousin Kofi. Franchement, je ne le comprends pas. C'est lui qui laisse la télé jusqu'au petit matin. Il laisse le ventilateur tourner, lui-même il sort. Il utilise même le fer à repasser courant. Mais il ne participe pas aux dépenses de la maison. Bizarrement, je ne comprends pas Kofi. L'autre fois, je l'avais parlé à Lomé. J'ai discuté avec mon petit frère. Moi, je suis à Lomé avant ton arrivée. Au moins, suis mon exemple. Hein? Fais ce que je fais. Je ne... Les filles par ici, je ne sais pas. Hé, hey, Globo, où trouve-t-il même de l'argent? Je ne sais pas. Hein? La dernière fois, la vieille télé de mon papa a disparu. Hein? Ah bon? Ça a disparu. Oh, mais toi aussi, quand même, mon cousin ne vole pas. Il ne peut pas faire ça. Je sais qu'il n'est pas sérieux, mais il ne vole pas. S'il ne vole pas, là, où trouve-t-il de l'argent pour amener tout? Toutes ces filles-là à l'hôtel. L'hôtel d'en face, là, on le connaît là-bas. Selon OB, hein, c'est OB. Il amène même plusieurs filles là-bas par jour, au moins 5 filles. Mais toi aussi. OB, là, ça tue, ça tue. OB, OB, ça tue. Ah, il n'y a pas de fumée sans feu. OB, ça tue. Mais je vais voir ce que je peux faire. Il faut me gérer ça. Je non, commence à m'énerver. Calme-toi. Quand il sera de retour, je vais lui parler. En tout cas. Calme-toi, hein. Ben, moi, je veux me rassurer que ça va chez vous. Oui, allô? 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 Ah, mais non, c'est pas ce que je t'ai dit. Oui. Non, donc, moi, aujourd'hui, je n'ai pas envie de sortir, mais... je ne sors pas, je suis à la maison, là. Combien de millions? 180 millions. Ok, 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 ok. Bon, ok. Donne-moi 30 minutes. Je viens tout à l'heure. Je viens là tout à l'heure. Monsieur. Oui. Sinon, ça va. Ça va? Ça va. C'est maintenant que ça va, non? Oui, ça va. Je vous ai dit que ça n'allait pas. Je vous ai dit que ça n'allait pas. Alors, sinon moi depuis, je suis assis là, j'attendais monsieur l'ambassadeur qui tarde à venir sans message. Ah, et il commence à m'énerver, moi je veux partir. Monsieur c'est bon, quel ambassadeur? Turquie. Turquie? Oui. Ah, donc vous êtes un homme d'affaires comme ça? International. Oh, Seigneur Jésus, merci. Hey, monsieur. Et j'envoie aussi des gens en Europe. Hein? Je peux envoyer, j'envoie au moins des multitudes de personnes en Europe. Europe. Au moins une cinquantaine par semaine, je vous dis. Hein? Monsieur, je vais aller en Europe. Nous. Anna, je vous entendais parler de ça tout à l'heure. Oui. Monsieur, sinon moi je suis prête. Hein? Moi aussi je suis prête pour aller en Europe. Vous voulez aller en Europe? Oui. Mais monsieur. L'Europe était assise à côté de vous. C'est où l'Europe? C'était moi, c'est l'Europe. Ah! Donc on suppose que l'Europe est venue vous trouver. Oui. L'Europe est venue me trouver. Bon, non, je peux vous envoyer tous les deux. D'accord, mais monsieur, excusez-moi, je vais à l'autre parce que c'est une bonne nouvelle. Ok. Je reviens tout à l'heure, je vais aller en Europe.
Mais elle a quel problème? Elle a quel problème à s'agiter comme ça? Ah! Mais c'est pas, c'est pas ton vœu! Ah bon? Mais quand tu es assis là, c'est toi moi j'ai regardé! Ouais. Quand tu es assis, comme, j'ai regardé en corner comme ça là, c'est toi que j'ai regardé! Non, quand j'y vais, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'on fait comme c'est une petite fille? C'est une gamine! C'est tout ce qu'elle fait là, je peux pas la frustrer pour dire non, c'est pas pour toi que je suis là. Tu vois, non? Ouais. Sinon, c'est pour toi que je suis venu m'installer ici. Tu as compris? Oui. Donc, tu veux aller en Europe? Oui. Ok. Y a pas de problème. Tu as compris? Oui. Tu vas prendre mon numéro. Le soir à 21h, tu m'appelles. Ok? Ah ok. Oh. 21h. Oui, le nom. Kofi. Quoi? Kofi. Kofi. En fait c'est Kofi. C'est Kofi. Kofi. Oui, même Kofi là. Mais j'appelle ça en affaire. En affaire, on dit Kofi. Kofi. Les hommes d'affaires, on dit Kofi. En affaire, ok. Voilà. En business. Voilà, okay. Quelque sorte. Kofi. Kofi. Okay. Okay. Donc il faut partir avant qu'elle n'arrive, pardon. Pourquoi? Il faut partir. Il ne faudrait pas qu'elle revienne te voir ici. Je sais ce que je parle. Il faut partir. Ok? Il te faut des transports. Un petit transport là. Tu as 5000 là-bas? Tu as 5000 là? Non, oui. non. Je sais ce que je vais faire. Je me balade pas avec des petits billets moi. Ah bon? Dame, je suis gâtée. Vraiment. C'est seulement 5000 que j'ai donné. Donne. Bon, ce que tu vas faire. Bon. Tu habites quel quartier là? À Zenou Total. Tu vas. Faut t'arranger. Le soir, on doit se voir. Oui. Va. Je sais ce que je te réserve comme plan. Hein. Bon. Va, dans ce moment. Faudrait pas que tu te trouves ici, merde. Non. Ok? S'il vous plaît, monsieur. Excusez-moi. Bonsoir monsieur. Ça va? Ça va très bien monsieur. Ça va très bien. S'il vous plaît, vous avez entendu parler que vous avez fait voyager plusieurs personnes en Europe. Mais des dizaines? Oui. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez m'aider, je veux aller en Europe. Tu veux aller en Europe? Oui. Ça va 20 ans que je rêve l'Europe. Et puis depuis là, l'Europe tourne dans son coin. Tu ne savais pas monsieur. Maintenant tu sais. Oui. Tu veux partir? Oui monsieur. En Europe? Oui. Bon, donne 10 000 là-bas. Bon, ok, j'espère que tes papiers sont prêts. Hein? Oh non, je n'ai rien. Tu n'as rien? Oui. Oh là là, mais ton cas sera compliqué, tu n'as rien? Je n'ai rien. Bon, donne 30 000. Oh. Tu n'as pas de. Tu as cas de vaccination? Non, cible l'agent, c'est pour mon patron. Tu es vacciné? Non. Tu es vacciné contre la fièvre jaune? Non, monsieur. Fièvre bleue? Non. Ebola? Non. Maux de cou? Cancer? Rien. Tu n'es pas vacciné, on dit 30 000, tu dis ça pour ton patron. Allez, garde ça pour ton patron. Ne vous fâchez pas, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Mais 30 000 pour faire tout ça, ce n'est que le début, cher ami. Oh là là. Tu n'as pas tout ça là, on dit de donner 30 000, tu dis ton patron. Bon, ok, considère que c'est bon. Donc, là où je suis déjà en Europe. Bon, tu n'es pas encore en Europe parce que c'est étape par étape. Ça, tu n'as encore rien fait. Considère que tu es en voie de partir en Europe. Ok? Ok. Envoie okay. De partir en Europe. Merci monsieur. J'ai compris. Monsieur, que Dieu vous bénisse. Merci. Hey, excusez-moi monsieur. J'ai duré un peu, non? Mais tu as duré? Oh. Et ma seconde? Bon, elle a reçu un coup de filet, elle est partie. Voilà. C'est comme ça qu'elle est. C'est une diablesse. Elle est partie. Bon. Elle pense que quand je me suis déplacé, elle pense que c'est à cause d'elle. Ah, tu vois. Moi, je suis mince comme ça, j'ai fait quoi? Femme grosse. Oh. Elle est grosse comme ça, j'ai fait quoi? Monsieur, laissez tomber. Monsieur, ouais. Je suis prête. À faire quoi? Pour aller en Europe. Non, c'est étape par étape. Ah. C'est maintenant que tu m'as parlé. T'inquiète, les jours à venir seront décisifs pour toi. C'est vrai. T'inquiète. Tu veux aller en Europe? Oui, monsieur. Prends mon numéro. Okay. Tu m'appelles à 19h. Ok, noté. Et je mets quel nom? Kofi. Pardon? Kofi. Kofi. Bon, c'est Kofi. Ah, d'accord. Mais c'est en affaire, comment on dit? Kofi. D'accord, monsieur l'affaire.
C'est bon. Bon, ok. Donc, tu peux partir. Ouais, je vais partir. Donc, monsieur, vous allez régler ça, non? Oui, c'est pas un problème. Je peux partir avec la voiture. Allez, non, enfin, ok, merci beaucoup. Allez. Dalton, allonnez son nom là. Ma chérie, j'ai rendez-vous à 19h. Dalton, laisse ta main, viens me voir. Avec qui? Avec un gars élégant, choco, sexy boy. Pec, pec, pec. Tenez les pogbos. Niao. En tout cas, tu crois que c'est toi seule qui a trouvé un gars? Oui, moi aussi j'ai rendez-vous à 21h. Et je l'attends. Si tu vois mon gars, choco, choco, mignon, chocolaté, vraiment, ce soir chez moi, ça va chauffer. Chocolaté plus que moi, mon gars. Dalton, laisse-la, viens me voir d'abord là. Fais-moi. Chérie. Oui. Qu'est-ce qu'on va préparer pour la fête? Bon, on va préparer du foufou. Le foufou? Oui. Le 25 ou le premier? Premier. Et pour le 25, on prépare quoi? Bon, pour le 25, on va préparer du riz. Non, du riz, là, on va préparer ça pour le 24, la veille. Et le 25... Bon, on va préparer du riz. Ah oui, j'ai le riz. Bonsoir, mon gars. Bonsoir, cousin. Hé, hey, copa, Kofi, viens ici, viens ici. Bonsoir, cousin. Achète-toi. Kofi, tu viens d'où? Mais je suis en train de chercher des petits boulots pour pouvoir joindre les deux bouts. Chercher boulot. Avec quel diplôme? Avec ce diplôme CPD. Et c'est pendant l'année que toi tu vas chercher ton boulot. Oui, mais les hôtels, les restaurants, c'est pas forcément un travail de bureau. Même si j'ai gagné quelque chose dans les restaurants, hôtels, c'est pour ça souvent je défile dans les hôtels, les restaurants. Kofi, de toi à moi, dis-moi. Tu fous quoi dans les hôtels alors que tu ne participes pas aux dépenses de cette maison? Boulot. Tous les bars de Lomé te connaissent. Tu es habillé du premier ministre. Toutes les filles de Lomé te connaissent. Tu fous quoi dehors? La vieille télé de mon papa a disparu. Hein? Toutes les choses disparaissent par enchantement dans cette maison. Chérie, chérie, toi aussi, calme-toi. Hein? Je te l'avais dit, il ne vole pas. Tu n'es pas un voleur. Je sais qu'il n'est pas sérieux, mais il ne vole pas. Il ne vole pas. Bon, Kofi, à partir de maintenant, tu vas participer à toutes les dépenses de la maison. Comment? Comment? Je gagne rien de bon. Ah. Tu fais comment pour les hôtels? Tu fais comment pour les filles? Hein? Tout à l'heure, même là, il va donner 30 000 francs pour payer les frais de l'électricité là. À quelle heure? À quelle heure? Tu entends? Tout à l'heure. Ok. Globo, franchement, j'en ai marre. Tu choisis entre Kofi et moi. Il est en train de te blaguer ici et toi aussi tu es là. On ne dirait pas que vous êtes de la même famille là. Moi, je ne suis pas de votre famille. Hein. Mais tu n'as pas épousé Kofi, tu m'as épousé. Alors, réglez ça entre vous deux. Moi, j'en ai marre. Laisse-moi passer là. Habillé comme président de la République. Tu cherches boulot. Kofi, tu vois ce que tu as fait? Tu vois ce que tu as fait? Maintenant, c'est toi que je vais épouser. Non, cousin, si c'est à cause de moi qu'elle veut partir là, il faut la laisser partir. Si elle s'en va là, après, moi-même, je sais quelle surprise je te réserve. Regardez, je sais comment je vais te rembourser, je vais te récompenser. Je jure. Oui, j'arrive. Oui, entrez, madame. Bonjour, madame. Bonjour. Asseyez-vous. Merci, madame. Vous cherchez qui? Madame, je cherche mon mari. C'est qui votre mari? Monsieur Diagobert. Ah non. Globo ne va pas me dire... Globo! Globo! Chérie, il y a quoi? Je suis en retard, il y a quoi? Lui,
Bonjour madame. Non. Votre mère. Dagobert Kofi. Le géant, celui qui est géant plus mince là. Oh oh. Il a fait quoi? Assois-toi, assois-toi. Hé, hey, Kofi! Kofi! Oui. Tu vois, il fait la sieste. On te cherche. Avec un cadeau de fin d'année. Cadeau de 9 mois. Bonsoir. Bonsoir. Parle là. Je t'ai amené ton enfant. Il doit te connaître. Parle. Après, on veut me parler. Après, il va me connaître. Kofi. Qu'est-ce qu'il veut me connaître là? On me parle, moi, on me parle là. Et c'est sensuellement, il va me connaître. Kofi. Tu connais, madame? Bon, pour commencer, même elle a dit qu'elle me connaissait. Donc, on n'a qu'à rester dessus comme ça. Et c'est à qui l'enfant? Bon, le bébé, c'est, visiblement, il me ressemble. Donc, on peut supposer que c'est pour moi. Supposer? Il te ressemble. C'est pas à toi de le dire. Moi-même, j'ai des yeux, je vois. Je vois qu'il te ressemble, je vois très bien. Tout ça là, c'est trop long. Madame. Oui. Mais Kofi n'est pas propriétaire ici. Oui. Kofi là, c'est le cousin de Globo. Il l'a ramené du village. Il ne travaille pas. Il ne participe pas aux dépenses de la maison. Fait. Même ici là, là où il est là, on lui fait faveur. Mais, belle-mère, il m'a dit que c'est lui qui est le propriétaire d'ici. Il est le propriétaire d'ici. Hein? Kofi, tu vas prendre toi et ton enfant pour aller chercher un autre lieu propriétaire. Voilà. Je peux m'expliquer. Vas-y. Comme il y a depuis longtemps, bon, elle peut rester ici, si elle s'en va là. Elle va aller où? Au fait, c'est moi. Je sais que c'est toi. Ton elle cousin. Elle va rester ici. À quelle heure? À quelle heure? C'est pas définitivement. Madame, ou bon, je ne sais pas quoi. Ma maison n'est pas une maternité. Bon, ouais. Globo. Mes parents m'ont chassé de la maison. Pour couper court. Hein? Pour le moment. J'ai pitié de la maman, elle va rester. Le temps qu'on trouve une solution. Mais madame, vous allez vous lever à 2h du matin. Hein? Laver les assiettes. Vous avez compris? Laver nos habits. Chauffer de l'eau pour ton bébé. Vous n'allez pas rester ici comme lui est resté là. Il ne fait rien dans la maison. Mais justement, au fait, ça serait en même temps ma contribution. C'est-à-dire que bon, c'est comme si j'ai amené une bonne. Elle va travailler, ce n'est pas bonne, mais c'est ma contribution. Elle va, ce que vous dites là, c'est pas mauvais. Elle fait tout ton possible pour que pendant la nuit là, ton bébé ne fait. Non, il pleut pas. Garde à vous deux. Il est même si pendant la nuit, moi j'entends un cri d'enfant là, vous allez me voir. Cousin, quand j'étais petit, laisse-moi, mais je pleurais. Il ne va pas pleurer, si c'est pleurer là, il ne va pas pleurer. Ah ok, Dieu merci. Il peut rester jusqu'à, il va grandir, il va voir, bam. Dieu. Il ne va pas pleurer. Il va grandir ici. Ah ok, il voulait y voir. Merci, merci beaucoup. Merci, que Dieu vous bénisse. Même son, Jésus aussi. Et tous n'ont qu'à vous bénir. Merci beaucoup. Non, moi Dieu me bénit beaucoup, de tout même. Cousin. Oui. Bonsoir. Bonsoir, t'es comment? Ouais, ça va. Oh, cousin, salue-moi. Bonsoir. Quand il y a des bonnes nouvelles comme ça et puis tu me reçois comme ça, ça me fait mal. Bonne nouvelle? Oui. Tu sais, pour une fois, je vais dire quelque chose de concret. Enfin, je suis toujours concret, mais ça, c'est un peu comme la finale, quoi. C'est-à-dire que je ne peux plus être concret, puisque de toute façon, je vais l'être tout à l'heure. Tu vois, en effet, c'est un business. Un business. Je vais investir de l'argent dans un business, mais c'est pas quel bon argent même. C'est pas grand chose. Mais c'est 50 000, tu vois, non? 50 000. Mais quand 50 000, tu vas donner, ça va partir là. C'est ce que 50 000 va ramener là, c'est ça qu'il faut calculer.
faut pas calculer les 50 000. Mais si je gagne 50 000 avant 15 heures, cousin, tu vas pas me reconnaître. Ah bon? Mais toi aussi, tu vas pas te reconnaître. Non, pardon. Trouve-moi 50 000 francs avant 15 heures, cousin. C'est business. Et si tu veux même là. Toi-même, tu vois, ma femme là, l'enfant n'est plus bébé. L'enfant a grandi maintenant. Oui. Donc, elle peut. Tu vois, non? Donc, moi, je peux accepter que les deux soient en garant. Les deux sont en garant sur toi. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas sortir. Tu vois, non, si tu veux sortir, tu refuses. Jusqu'à ce que je rembourse les 50 000 francs. Tu vois, non? Okay. C'est l'affaire, c'est trop important. Oh là là là. Koufa, sinon moi, je ne veux que ton bonheur. C'est pourquoi je t'ai ramené du village. Mais c'est toi qui ne me comprends pas. Je comprends. Bon. Je peux te trouver 30 000. C'est tout ce que je peux faire. Cousin, trouve-moi 50 000, s'il te plaît. Koufa, moi aussi j'ai des dettes, des dépenses à faire. J'ai de l'argent, mais c'est sur calcul. Si tu sais combien de calculs j'ai fait maintenant, tu peux trouver les 30 000 là. C'est ce que je peux te trouver, sinon... Bon, cousin, pour 30 000 là, deux personnes en garant, c'est trop. Bon, donc si c'est 30 000 là, c'est qu'on va enlever le bébé dedans. Ça ne fait rien. Parce que deux personnes... Garant pour 30 000. Non, tu peux enlever le bébé, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Là, au moins, le bébé, je peux au moins le prendre pour sortir. Ça ne fait rien. Ok, il n'y a pas de problème. Encore bon. Suis-moi, je vais te donner ça. Hein? Suis-moi, je vais te donner ça. Ok. C'est quoi ça? Oh! Tant t'as vraiment ce menuisier là, on t'a pas venu travailler, tu t'en. Qu'est-ce que c'est manière là? Bon, tu vois la fenêtre là, tu dois me changer ça. Ce buffet aussi, tu dois me changer ça. Bon, cette télé, bon ça c'est acheté carrément. L'emplacement du tableau, je ne veux plus voir ça là. Tu mets ça quelque part ici. Ça. Carrément dehors. Le fauteuil, pareil. Bon, quant au tapis, on va changer ça aussi. Donc, tu me fais une table plus solide que ça. T'as compris? Allez, monsieur. Hey, vous êtes qui? Hein? Ça, moi, tu demandes, je suis qui? Toi, menuisier, on t'a fait venir pour venir travailler. Tu me demandes, je suis qui? Moi, menu. C'est pas mon frère qui t'envoie ici pour que tu travailles? Quel frère? Hein? Vous rentrez dans la maison des gens, dans la chambre des gens comme ça. Tu veux changer ma télé pourquoi? Hein? Ah, c'est bien, bien. Hé, hey, Parisette. Chérie, tu fais quoi la cuisine, Parisette? Chérie, j'arrive. C'est la télévision, ça? C'était. Ça, c'est la télévision. Monsieur, méfiez-vous. Méfiez-vous! Parisette! Qu'est-ce qui se passe? Tu connais ce monsieur? Non. Bon, Parisette, dis-moi la vérité. Est-ce que je ressemble à un menuisier? Non, dis-moi, est-ce que je ressemble à un menuisier? Le monsieur, il est venu dans la chambre, au salon comme ça, et puis il me dit de changer quoi, les fenêtres, la télé. Je ne comprends rien de votre histoire. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur, vous voulez quoi? Monsieur, vous êtes qui? Madame, je suis le propriétaire de cette maison. Propriétaire, ma maison. J'ai les papiers de la maison. Par exemple, va me chercher les papiers de la maison. Voilà mon papier. Arrête, tiens, ça y arrive. Tu es propriétaire de la maison. Oui. Tu as acheté la maison là. En quelle année? Bon, tu l'as acheté quand? Cette maison, ça fait pratiquement une semaine que ça m'a parti. Bon, tu l'as acheté chez qui? Voilà, chez qui? Chez monsieur Kofi. Kofi t'a vendu une maison? Oui, mais va prendre le reçu. C'est signé en bonne et due forme. Oh, 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 oh. Monsieur, vous êtes né quel jour? Madame, ça n'a pas d'importance. Kofi t'a escroqué cadeau. Regarde,
monsieur avec un crayon. Signé avec un crayon, c'est toi qui vomis. Comment ça? Toi-même là. C'est avec crayon qu'on a signé ton reçu là. Regarde, les vrais papiers de la maison. Voilà le titre foncier. Voilà le reçu de vente. Voilà, toi tampon. Tu vois, c'est toi tampon. Les 37 millions. Tu as acheté la maison à où? Où vous avez fait tout ça? Tout ça là. Vous avez fait ça où? On était dans le bar, il est venu avec les papiers, tout, on a signé. Monsieur, sortez. Mais tu es trop sortez. Idiot. Sortez. Maison, on a acheté dans un bar. Dans un bar, toi. Oh, vas-y là. Sortez. Sinon, c'est la police qui vient te chercher. Mais 35 millions. Et puis, la police me prend pour un menuisier. Méfie-toi, proche. Hé, moi, menuisier. Oh, toi-même, Choumeka. Oh. Chérie, c'est bien fait pour toi. Bien fait pour moi comment? Je t'ai dit de le renvoyer, tu as refusé, non? On n'est qu'au début. Ce n'est que le début du commencement. Je suis là aussi. Tu es dans tes papiers. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Kofi doit quitter cette maison. Yeah. Il va sortir. Tu imagines? Kofi a osé vendre nous notre maison. Bon cul de carte, attention. Ah, Woody, c'est qui nous a vendu avec? Hey. Tu as tous les bagages ici, non? Tout est ici. Ok. Mm-hmm. Alors, vous faites quoi? C'est la salle comme ça, vous faites quoi? Kofi, voilà tes baluchons. Tu prends ça, tu prends ta soi-disant femme, avec ton pingouin dessus, vous partez. Tu as osé vendre nous notre maison quoi? Quelle maison? Quelle maison? Tu n'as pas vendu la maison? Mais c'est un monsieur qui voulait me vendre la maison et moi j'ai résisté. J'ai dit non. C'est qui a dit ça? C'est pas le monsieur Noawa qui tu as vendu notre maison. Non. C'est lui-même qui voulait me vendre la maison. C'est que vous ne vous êtes pas entendu. Au contraire, c'est lui-même qui me proposait la maison et j'ai refusé. Kofi, ne nous prends pas pour des enfants. Hein. Hé, hey, Edwige! Edwige! Oui, maman! Et il m'a arrêté de menuiser. Toi, tu es fourré à la cuisine, c'est pour manger tout le truc. Non, maman, j'étais en train de nettoyer les choses. Où est ton pingouin? Il dort. Tu vas le prendre sur tes colis, vous suivez Kofi. À partir d'aujourd'hui, la Kofi est bannie de notre famille. Oh, maman! Oh, pardon! Hein, pardon! Elle va nulle part. Le bébé ici. Quoi? Viens ici. Et pourquoi? Lui-même sait pourquoi. Kofi, qu'est-ce qui se passe ici? Justement, c'est de là même que je venais comme ça. C'est de là même que je venais comme ça parce que... Et j'avais pris de l'argent sur lui. J'ai demandé prêt. Mais j'ai dit que madame devait être en garant. Quand j'ai fini de rembourser et puis je vais récupérer. Comme je n'ai pas encore remboursé. Hé, hey, Glovo! Tu me connais. Toi aussi, tu me connais. Je vais arracher tes cheveux avec mes dents. Laisse la femme rentrer avec Kofi. Toi, tu bouges pas, hein. Et Edwige, va prendre ton pingouin, tu suis Kofi. Elle ne bouge pas, Parisette. Et d'ailleurs, laisse-moi. Tu vous pensez que l'enfant là, c'est l'enfant de Kofi? C'est parce qu'il m'a dit qu'il est propriétaire de cette maison que moi, je l'ai remis le bébé. Vous pensez que c'est l'enfant de Kofi? Moi, je pars avec mon bébé. Ça tombe bien, va ramasser ton pingouin et partez de chez moi. Kofi, c'est clair. Tiens. Kofi, votre transaction là, vous allez faire ça dehors. C'est quoi ça? Dans ta toile, tu vas rester où? Parisette, tu me connais très bien. Parisette. Abou, oui. DG, moi je t'appelle depuis quand même. Oh, je t'ai attendu. Depuis là-bas, je t'appelais. Mais moi, je suis en train de travailler. Non, petit, quand on veut aller en Europe, on est à Bilan. Faut pas être mourant pour aller en Europe, petit. Tu veux aller ou bien tu vas plus? Je vais aller en Europe. Je suis le premier à aller en Europe. Où tu es là? Oui. Considère que tu es déjà à l'aéroport. DG, peut-être que tu n'as pas encore sorti. Sinon, tu es descendu de l'avion. Tu vas faire le contrôle. Tu as compris? Dépose ça, ma peine là. J'ai payé des chaussures pour le boy là.
le bon et puis le gardien. Ça, c'est un sac d'engrais. Il y a de l'engrais dedans. C'est quelqu'un qui a commandé ça depuis l'Allemagne. Ok? Oh oui. Bon, voilà. Je te disais que j'avais plein de dossiers à gérer. Je t'ai dit que ici, c'est comme mon bureau. Hein? C'est ça. Ici, c'est comme mon bureau. C'est si j'ai venu traiter les dossiers et des gens qui doivent partir. Mais non? Je t'ai dit ça, non? Tu m'avais okay, pas. Donc, je suis venu ce soir, j'ai plein de dossiers à gérer. Ah! Hein? Il se peut même que je dorme au bureau. Oh! Vous allez passer la nuit ici? Oui. Mais c'est mon bureau. Vous connaissez mon patron, non? Ok, d'accord, donc tu vas aller non, ça ailleurs. Oh, comme c'est vous qui traitez mes dossiers, là. Petit, ou bien tu veux partir en Europe, ou bien tu es resté au Togo? Tu vas aller en Europe, on dit de rester chez toi. Je vais dormir au bureau, je vais traiter de chez toi. Il se peut même que l'ambassadeur arrive. L'ambassadeur, même, il va venir ici te poser des questions, de pourquoi tu es là-bas. Mais d'une manière ambitieuse, il va défendre la cause, mon petit. Donc, bon, je peux aller faire ça. Non, s'il vous plaît. Ouais. Comme vous êtes en train de faire mes papiers, je vais voir comment je vais gérer ça. Ah, mais il faut gérer, hein. Bon, tu m'envoies un fils là. Non, le cou est bien glacé. Oui, c'est bien glacé. Tu m'envoies ça. Hein. Okay. Le cou. Allô? Ah oui chérie, ça va? Bon oui, mais on a fini la conférence, mais bon, là je suis rentré à l'hôtel. Oui. Oh non, je suis à l'hôtel là. Ah non, oui, bien sûr, je ne peux pas venir pour des affaires de plusieurs millions comme ça. Et puis vont m'héberger n'importe où, je suis dans un hôtel 5 étoiles s'il te plaît. Non, c'est la climatisation. C'est le climatiseur là, je vais demander. Le climatiseur là, je vais demander qu'on me change ça. Le climatiseur, ça fait ça, c'est trop grave. Tu as trouvé la maison? Trouve la maison que tu veux. Quand je viens, dès que je reviens de New York, on gère ça, s'il te plaît. Dès que je reviens de New York, on gère ça. Merci chérie. Kofi, tu n'as pas encore préparé les spaghettis? Non, ça a fini tout, patron. Mais comment? Ça a fini. Tu vas mettre 4 heures pour préparer les spaghettis? Non, ça a fini. Et les clients vont venir tout à l'heure. Mais toi aussi. Et pourtant, tu m'as dit que tu as déjà fait ce boulot-là quelque part. J'ai fait ça toujours. Toujours où? Et tu prépares spaghettis depuis 18h jusqu'à 21h? Ça a fini. Oh, vraiment? Bienvenue, mesdames. Merci, monsieur. On peut trouver quelque chose chez vous? Oui. On a fait. Alors, asseyez-vous, on va vous servir. D'accord. Asseyez-vous. Trouver Mini Villa, c'est un problème. Il m'a dit de chercher Mini Villa. Monsieur. Oui. Mais, savez-vous? Oh, mais le garçon, il est encore parti, Ouma. Kofi? Kofi?